Voici déjà 24 ans que l'association Femmes d'Ibout, avec à sa tête sa dynamique présidente, Léodate Saïbou, organise cette soirée de solidarité. Elle estime que Noël doit être un moment de paix, de partage, de convivialité. Tout le monde est convié, sans aucune distinction. On voit un peu tout le monde se mélange, c'est dans la joie et la gaieté, je trouve que c'est une très bonne chose, quoi. Apprendre à se connaître, même si on ne se connaît pas, ben, c'est l'occasion de se connaître. Ici, il y a des valeurs, humaines, de sympathie qu'on n'a pas retrouvé, que j'ai pas retrouvé dans tous mes instants vécus en Guyane, et je suis content de les retrouver ici. Voilà. Donc c'est la raison essentielle. Je pense que la cause elle est bonne, elle est juste, et que si je peux par ma présence juste apporter mon approbation et mon encouragement, bah écoutez, c'est pas si négatif. Parmi les fils de Valentin Laudat, il y a les grands frères, donc on est obligé d'être là aussi. Positif comme chaque année, hein. Elle le fait, donc c'est une bonne chose. La soupe de solidarité, c'est le moment attendu de la soirée. Vous savez l'homme qui a fait la soupe. Solidarité, hein, à pas pour les SDF seulement. Moi, j'ai invité les personnalités pour là, pour nous faire un mélange, pour ne pas l'essayer à côté. Même remarqué, il y a 40 écoles, il y a payé écoles. Alors, pour les handicapés, pour moun, à pour tout le monde, la soupe solidarité à pour tout le monde, puisqu'il a porté son nom. Ce moment de convivialité a été préparé comme il se doit par les bénévoles de l'association, avec la participation de nombreux mécènes qui répondent toujours favorablement à cette initiative, et ce, depuis plusieurs années. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.